Naturelles et fraîches, les fleurs produites à Pointe-Noire et dans le Mayombe sont prisées par les Ponténégrins qui les achètent en bouquet chaque matin au marché de fleurs pour agrémenter leurs cérémonies, notamment l'accueil des personnalités, les mariages, voire même la décoration des hôtels. Bref, ce business floral est l'une des pistes de création d'entreprises pour les jeunes. Ah ben oui, c'est un business. Pas que tu aies la maison pour venir s'amuser. Mais c'est quelque chose. Donc, ça nous permet aussi de trouver quelque chose à manger. Chez les fournisseurs, il y a des gens qui plantent beaucoup. Pourquoi ils plantent beaucoup? Nous, on va l'acheter. S'ils ne plantent pas, ici, on n'y aura rien. Accompagné des techniques de décoration, cette chaîne de vente de fleurs naturelles apporte de la valeur ajoutée à cette marchandise écologique et durable. C'est le client qui demande. Parfois, il peut prendre même 3-4 bouquets différents. Porcelaine, il y a des becs, il y a des grosses becs. On peut faire, nous, on va faire un mélange. Quand on fait le mélange, on finit, on donne sur les gars qui fait l'emballage, qui l'emballe. Après, il prend le bouquet, il passe. Avec la levée du couvre-feu et l'autorisation des manifestations dans le lieu de loisirs, le marché de fleurs naturelles reprendra du souffle. Mais ça nous fait plaisir. On est à ça. C'est libérer tout. Les cérémonies, les boîtes de nuit, tout machin. On est à ça. Quand ils ont fait ça, ça va. On a nous aider. Au travail, il y aura images de mariage, de cérémonies, toutes sortes de cérémonies. Reste alors à encadrer cette filière horticole, peu explorée par la jeunesse, en suscitant l'envie aux acteurs d'investir dans ce secteur plein d'avenir.